السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الكونتابل برو ترحب بكم وتدعوكم للاشتراك في القناة وبتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، فاشتراككم في القناة مدعاة لمزيد من الإبداع والعطاء. في هذا الدرس سنتطرق إلى الأهداف التالية. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الطلبة والتلاميذ والمتدربين، مرحبا بكم في درس جديد من دروس المحاسبة العامة. يعني مازال في لي شابيتر ديال لي بروفيزيون، نهضروا على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. بأن لي ستوك فون بارتي من لاكتيف سيركيلون، يعني كان لي ستوك لي كليون لي تيتري فالور دو بلاسمون. دونك نبداو بلي ستوك بالنسبة لا كونتابيليزاسيون ديال لي بروفيزيون. Non, le compte 619.6, dotation d'exploitation pour provision, dépréciation de l'actif circulant. Le sous-compte, 619.61, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des stocks. Donc, on dit le débit lors de la constatation de la provision. Au fait, le crédit, on débite le compte ديال ستوك كونسيرني، يعني 311 بالنسبة للمارشانديز، أو 312 ماتيغ بخومييغ، أو 315 لي برودوي فيني، أو كنزيدو لو كونت لو شيفر 9 على لا دوزيام بوزيسيون. خدينا ليكزومبل ديال المارشانديز، يعني 311 ستوك المارشانديز، كنزيدو 9 في لا دوزيام بوزيسيون، كتولي 3911، يعني بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز. Donc au cours de l'exercice, les stocks de marchandises, matières premières ou produits finis peuvent subir des dépréciations. Et c'est pourquoi il faut faire une constatation pour faire face à cette perte probable. Il y a la perte probable, la valeur réelle est inférieure à la valeur d'origine. Cette provision sera égale à la différence entre la valeur comptable et la valeur réelle des stocks. L'année suivante, il faut annuler l'ancienne provision parallèlement à l'annulation du stock initial et créer une nouvelle provision relative à la constatation du stock final à la fin de l'exercice. Donc, ça c'est les provisions pour dépréciation des stocks. Il y a quelque chose qui confirme la constatation ou bien la création de la provision. Il y en a le premier cas. Le deuxième cas, l'annulation de la provision précédente et la création de la nouvelle provision principale stock final. Il y a deux étapes. Mais quand je dis que l'étape de la réajustement, l'augmentation de la provision ou bien la diminution de la provision, il y a les réajustements. Voilà l'annulation totale de l'ancienne provision au canal droit, une nouvelle provision relative au stock final. Donc première étape, constitution de la provision. Exemple, le 31-12-2020, le stock final de matières premières de l'entreprise Sofitex s'élève à 350 000. Une dépréciation de 2% du stock s'avère nécessaire. Donc, Dima, de maintenir la provision, Tersna, la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'origine, à là le taux, un pourcentage de perte de la valeur d'origine. Donc, là, le pourcentage est idéal 2%. La valeur réelle des stocks des produits finis est estimée à 250 000, alors que sa valeur comptable était de 260 000 dirhams. Travail à faire, enregistrer l'opération de la constitution des provisions. Donc, il y a deux types de stocks, stock de matières premières et stock de produits finis. Il y a les stocks de matières premières, il y a le processus pour les stocks de marchandises. Donc, il y a deux types de stocks, il y a deux types de la détermination de la perte probable. La première méthode, il y a le pourcentage de perte probable, 12%. Ou la deuxième méthode, yani la différence entre la valeur comptable et la valeur estimée ou bien la valeur réelle. Nous avons la correction de l'exemple. Le premier cas,
Donc, Adna, le taux de pourcentage, le pourcentage de perte, probablement 2%, c'est que la valeur comptable est 350 000 fois 2%, il est égal à 7 000 dirhams. Donc, il y a la provision. Donc, on débite le compte 619-61, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des matières premières, et on crédite le compte de provision correspondant aux matières premières. Il y en a 3 912. Il y en a 9 à la deuxième position. Donc, le crédit, le montant d'elle, 7 000 dirhams. La même date, deuxième cas, et la même date, deuxième cas, le calcul de la provision, il ne fait le produit fini, la valeur comptable fait 260 000 et la valeur réelle ou bien actuelle fait 250 000. Il y a une baisse de valeur, il y a une détérioration ou bien une dépréciation. Donc, on va débiter le compte dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des produits finis, 10 000, 61 961, le montant 10 000. Pour le crédit, le compte produit, stock de produits finis, il y en a 315, 15,9 à la deuxième position, je vais tenir un compte de provision pour dépréciation des stocks. Donc le montant va 10 000. Donc 10 000, c'est la différence entre 260 000 et 250 000. Dernier, je fais la comptabilisation les provisions. Maintenant, la provision ancienne et la provision actuelle. Il y a les stocks, mais donc le réajustement. Qu'est la création et annulation de la provision. Donc, les matières premières, le montant brut 350 000, la provision 7 000, produit fini, montant brut 260 000, provision 10 000 dirhams. Le stock final, le montant brut des matières premières 360 000, provision 9 000 dirhams. Produit fini, montant brut 280 000 et la provision 13 000 dirhams. Donc, la première étape, les régularisations des stocks. Donc, il y a l'annulation des stocks initiaux. Le 1-1 de l'année 2021, premièrement, annulation des stocks initiaux. Ce pas les matières premières. Donc, 624, variation de stock de matières premières, débit 350 000. Donc, il y a dit, les produits finis, on débite la variation de stock des produits finis, 713,21, le montant d'elle, 260 000. Et on crédite les stocks. 312,1, stock de matières premières, 350 000. Oh, les produits finis, 315,1, le montant d'elle, 260 000. Donc, annulation du stock initial. Les matières premières ou les produits finis, à la fin de l'exercice 2020, il y a N-1, alors qu'il y a un débit, il y a du montant 350 000, 260 000, alors qu'il y a un débit. Donc, l'annulation, le 1-1-2021, on va les solder, il y a qu'un dirigeant fait le crédit. Donc, l'annulation du stock initial. On fait les travaux d'inventaire dès la fin 2021. On procède à la constatation dès le stock final. La constatation, il y a qu'un dirigeant, les matières premières, le débit, il y a 312,1. Qu'un dirigeant, le débit, 360 000. Les produits finis chez, qu'un dirigeant, fait débit, il y a 315,1. Qu'un dirigeant, débit, 280 000. Et on crédite les quantités variation de stock. 612,4, variation de stock de matières premières, 4 011,11. 713,21, variation de stock des produits finis, 280 000 dirhams. Le libellé, donc, c'est la constatation du stock final. Donc, il y a parallèlement les écritures, l'annulation des provisions initiales et la constatation des provisions et le stock final. Donc, les provisions dire le stock initial, le stock de matières premières, la provision 3 912, le montant 7 000. Donc, quand le crédit, on va la solder.
chez 3915 provisions pour dépréciation du produit fini. Donc, quand on a fait le crédit, donc maintenant on va là sur le de la FDB 10 000. Le mot-cabile, on dit le compte de reprise. Donc, 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, on dit total 17 000. Fait la même date, on constate la provision du stock final. Donc, stock final, les constatés le 31-12. En même temps, on va constater leur provision. Donc, débit, il y a 619,61, notation d'exploitation, provision pour dépréciation des stocks, 22 000. On fait le crédit, qu'on dit la provision du stock de matières premières et la provision du stock des produits finis. Donc, 3912, provision pour dépréciation des matières premières, puis de ou le compte de téléphone de Samir Moustache, provision de dépréciation du produit fini, 13 000 dirhams. Donc, le début de constatation des provisions sur stock final. Donc, remarque importante, il n'y a pas de réajustement de la provision sur le stock, ni augmentation, ni diminution, car le stock final est toujours différent du stock initial. Contrairement aux provisions sur les immobilisations et les titres valeurs de placement, qui ont une valeur d'origine fixe. Comme je l'ai dit, nous avons un rapport avec les comptes ou les comptes qui ont été obtenus par les provisions pour dépréciation des stocks. Donc, là, j'ai donné l'inventaire. Donc, maintenant, l'année 2020, l'inventaire des stocks est né le 31-12-2020. Donc là, on a constaté une provision pour dépréciation des stocks. Les écritures concernées, donc la création, bien la constitution ou bien la constatation de la provision. Donc quand il y a le débit, le compte 61961, notation d'exploitation provision pour dépréciation des stocks. Ouf le crédit, il y a les matières premières, il y a le crédit 3912, provision pour dépréciation des stocks. Les produits finis, il y a qu'un débit sur le compte, c'est 119,61, détention d'exploitation pour dépréciation des stocks, ou le crédit, crédit sur le compte de provision, il y en a 3915, provision pour dépréciation des produits finis. Donc, les provisions sur, pour dépréciation des stocks, il y a une méfiance, le réajustement. Pas les autres comptes, il y a un dialectif immobilisé, il y a le réajustement. Donc, mais c'est bien les stocks. Mais fiance, le réajustement ferme la création et l'annulation. Donc, d'abord, je fais l'annulation d'elle. Fais-je qu'on annule maintenant le stock initial. L'annulation du stock initial, qu'est-ce qu'on met à l'annulation d'elle? La provision déjà constituée. La provision d'une telle rabatte, stock initial. Donc, premièrement, on dit l'annulation d'elle, stock initial. Donc, c'est bien l'annulation d'elle, stock initial. Stock de matières premières, il y a 3121 stock de matières premières, il y a débit, aucun crédit sur le compte, 6124 variations de stock de matières et fourniture. C'est le stock des produits finis, donc on débite le compte 3151 stock des produits finis, et on crédite le compte 71321 variations de stock de biens produits. Il y a une opération qui est année, l'annulation du stock initial. Au même temps, on dit l'annulation de la provision. Donc, on débite le compte 3912, provision pour dépréciation des matières et fournitures. On fait le crédit, on dit le compte 7196, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Neuf chiffres, c'est les produits finis. Qu'un débit sur le compte 3915, provision pour dépréciation du produit fini, il y en a qui ont déjà fait le crédit, d'abord un solde, on dit le débit. Donc c'est l'annulation de la provision. On fait le crédit, qu'un débit sur le compte 7196, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. C'est la fin d'exercice. Donc il y a deux écritures. Donc premièrement, on dit la constatation du stock final. Donc, c'est les matières premières. On débite le compte 3121 stock de matières premières et on crédite le compte de variation de stock. Il y a 6124 variations de stock de matières et fournitures. C'est les produits finis.
Qu'en débite-t-il le compte 3151 stock des produits finis? Qu'en crédite-t-il le compte 71321 variation de stock des biens produits? Donc, la même date, on dit la constatation de la nouvelle provision. La provision qui est là, pas le stock final. Donc, le débit, qu'en dit-il 61961, notation d'exploitation, provision pour dépréciation des stocks. On fait le crédit, qu'en dit-il 3912, provision pour dépréciation des matières et fournitures. Le chef principal des produits finis. Donc, qu'en dit-il le débit, c'est 61961, notation d'exploitation, provision pour dépréciation des stocks. On fait le crédit, qu'en dit-il 3915, provision pour dépréciation des produits finis.